Dès demain là, on a regardé ce musée FIFA. Nous allons faire visiter pour nous voir ça dedans. Musée FIFA, vous l'avez dit, eh ben c'est tout dernier souvenir que FIFA fait et enregistré et retenu et mettre en dedans musée ça pour fanatiques, fanatiques football et monde qui a regardé en général à travers le monde pour venir regarder 9e édition FIFA Coupe du monde pour mesdames yo, eh ben en dedans musée ça, veuillez voir que là maintenant font une visite pour voir qui ça qu'en dedans. Mais on précise tout que musée ça, construction musée que nous est là, c'est un musée portable mobile que construit et vinn porter là dans ville Sydney dans pays Australie. Musée ça fait avec des matériels recyclables. Ça veut dire que musée a lui-même yo cap après que eh ben championnat du monde ça a fini, 9e édition après finale là, trophée à remettre. Musée ça, il y a démoli et matériel qui fait, qui construit musée ça, facilement, il est capable de recycler et reconstruire encore une fois. Qui veut dire que eh ben, FIFA est très, très intéressé dans les affaires écologie, protection de l'environnement. C'est comme ça que le musée qui est là, d'après Plo, encore une fois, il fait mieux, pas non mieux, tout ça qu'on a, il fait avec matériel recyclable, ce qui est à noter. Donc, nous allons entrer dedans pour nous faire visiter le musée FIFA qui est dans la ville de Sydney, dans le pays Australie. Bienvenue au musée. Ce musée, c'est très important pour nous de pouvoir être aussi aux Coupes du Monde. C'est la 4e fois qu'on fait ça ensemble avec Hyundai. Et pour nous, c'est très important de pouvoir être proche à des fans pour leur donner la possibilité de voir l'histoire du foot mondial, si c'est femmes et des hommes. Alors, ce trophée, pour nous, c'est aussi super spécial qu'on peut avoir, qu'elle est disponible aujourd'hui parce qu'elle n'est pas toujours là, pas tous les jours. Et ouais, c'est vraiment l'original trophée, absolument, qui va rester après avec les gagnantes. Musée FIFA, vous l'avez dit qui ça? C'est justement FIFA qui reconnaît des joueurs, des joueuses qui ont même marqué Mondial 2023 et qui ont mis là à disposition publique là, des maillots d'ossa, joueuses ça, pour que le public soit capable de reconnaître. Yo. Là, c'est comme si une façon pour honorer les joueurs ça, qui distinguent les souterrains. Je vous dis, eh bien, vous voyez que un tour exclusif de musée ça. Et pas tout le monde qui a une chance de venir dans le musée ça pour voir de près maillot des joueurs qui que eux-mêmes ont été portés pendant qu'ils étaient souterrains, qui fait goal ou pas, des joueurs qui sont idoles, des joueurs superstars, vedettes de équipes, différentes équipes, sélection nationale. Dans le musée ça, nous avons différents maillots. Alors, on nous dit que c'est FIFA en général, garçon ou femme, joueur femme, joueur garçon. Et nous, rien, c'est avec plaisir et fierté que nous allons regarder, nous allons virer la caméra pour nous remarquer. Dans le musée FIFA, FIFA reconnaît. Dossa numéro 6, Haïti du Mornay. C'est avec fierté, vraiment, que tout Haïtien a regardé ça dans le musée FIFA. Côté que nous avons regardé là, c'est définitivement les Grenadiers. Nous avons regardé tout, ils ont écrit. Les Grenadiers, débutants, première fois dans le mondial FIFA, Coupe du Monde 2023. Et puis ils ont expliqué tout que du Mornay. Et qui lui-même t'a joué, c'est alors Dossa numéro 6, ça, Mayo ça, il était poté, l'El Tap joué. Et face à pays Chili, il était assuré Haïti pour la première fois et participation, qualification dans la Coupe du Monde Femme ça. Voilà. FIFA a reconnaître du Mornay comme un monde qui n'a mémorable ça. Il a dit que c'est une façon pour éterniser du Mornay qui sont joueuses haïtiennes. On a choisi différentes personnalités qui ont fait une différence dans le jeu des femmes. Et ce sont des femmes qui ont, des fois aussi un homme, on a aussi un entraîneur. Mais ce sont des personnages qui ont vraiment avancé ou qui ont fait des records, tout à fait, ou qui donnent d'espoir. On a, cette fois-ci, on a vraiment essayé de donner un peu de plateforme pour les femmes, pour les personnages. Gentil Junior Augustin, Valerio Saint-Louis, depuis Sydney, dans le pays Australie.